Salut la souplée! Oh, il y a le troll! Mais yes! Quel enfoiré! Bon bref, je refais. Salut à tous! C'est l'heure de tout play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Voici Yanamu, ce gros sac de putain dans... Voilà. Et nous nous retrouvons donc sur Civilization 5. Oh yeah! Donc bonjour à tous les amis, c'est l'heure de tout play. Et aujourd'hui, je suis déchaîné! Ce mec ne sait donc plus. Donc sachez bien qu'il y a plus de 13 minutes d'off sur ma vidéo. Donc je vous invite directement à quitter cette chaîne et aller chez moi. Donc sans pour les petites annonces également, sachez que vous retrouverez l'épisode 20 et la base de l'épisode 21 qui est également sur ma chaîne et uniquement sur ma chaîne, voilà. Hein, donc pour ceux qui ont raté un épisode, sachez que c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein, Learn to Play ne sait pas utiliser ses équipements audio, il ne sait pas enregistrer sa voix malheureusement de façon correcte. Ainsi vous retrouvez tout ça chez moi. Mais le mec il dit n'importe quoi, oh là là, oh là 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 là. Tu peux me rappeler ce qui s'est passé sur l'épisode 20? C'est n'importe quoi. Bref, on ferme sa grande gueule et non. On m'écoute. On combien t'écoute. Ça coûte un abri antiaérien? 340? C'est tout? Oui, parce qu'en fait, on est trop des tricheurs. Yanamu a prévu la suite parce que c'est un médium. Oui. Hein, ça, tout le monde le sait, c'est un médium. Je suis médium. Il a prédit parce qu'en fait, j'ai quitté avant lui. Mais je suis majeur au niveau de taille du. Hein? Oh là là. Pendant l'épisode 21, je me suis barré avant lui et du coup, l'IA a joué à ma place et il a joué un tour ou deux pour voir ce qu'allait se passer après. Et je me suis pris deux bombes nucléaires, je crois, quelque chose comme ça. Bref, ça m'a juste défoncé la tronche. Résultat, écoutez, je vais me faire un abri anti-atomique, anti-aérien plutôt. Oui, c'est un peu débile d'abord, anti-aérien, c'est anti-atomique. Pour limiter les dégâts, parce que les Portugais vont sûrement faire joujou avec leurs armes nucléaires. Et je vais prendre très cher, tout simplement. Et le son est hyper fort. Attends, je règle juste l'audio. Vas-y, règle ce que tu veux, hein. Ah mais on l'avait pas déjà joué là cette partie là ce moment là parce que c'est bizarre, il manque des trucs moi. Justement je sais pas. Je sais pas du tout. Ah c'est vrai que j'avais Almer à côté de Kuala Lumpur. J'ai plusieurs missiles guidés donc écoute, est-ce que je vise la flotte? Ah mais moi franchement à ta place je vise la flotte hein. Et je vise quoi en priorité parce que là je fais des dégâts à tout le monde. Quasiment, je fais des dégâts équivalents à tous les bateaux autour de moi, donc... Vise le navire où c'est qu'il y a tous les... En fait, il faut viser le porte-avions où c'est qu'il y a un seul aéronef, le zéro, comme ça, on peut souhaiter que tu vas détruire tous les avions autour. Non, mais avec mon bateau, hein, pour l'instant, pas avec le missile guidé. Tu m'as vu ou quoi? Il est où, ton bateau? Mon bateau, il est en plein milieu, je sais pas si t'as remarqué. Non, pas encore, attends, je vais voir mais ça. Mais je t'ai dit d'aller voir à côté de Maastricht, en fait tu l'as pas du tout fait. Hein. Ah si, si, il est là, oui. Donc je vise qui, à ton avis? À ton avis. Alors, 0 est bombardier, 0, 0. Celui qui a un bombardier. Celui qui a un bombardier. Ouais. Mais je peux pas voir. Viens, en cliquant sur les chiffres, oh, voilà, c'est celui-là. C'est oh, celui-là. Bah, putain. Ouh, j'ai fait au hasard. C'est celui-là. Lol, j'ai eu de la chance. Bon alors la situation, j'ai deux missiles guidés, attends, j'ai un autre bateau ici qui va me servir à aller défendre Tilbourg et tout ça là. Enfin je peux me défendre avec mes villes donc ça tombe bien. Vous allez aller là. Alors le missile guidé je l'envoie sur la flotte. Ah ben je sais pas franchement, missile nucléaire aurait quand même été un tout petit peu mieux. Maintenant là franchement je saurais pas te dire qu'est-ce qu'il faut mais faire. Mais j'ai pas de missile nucléaire. Je sais, c'est pour ça que t'es dans la merde. Bah ouais. Oh, alors ouais. De toute façon, on n'a pas dit qu'on devait gagner, hein, je le rappelle, hein, on peut perdre. Hein. On peut tout à fait perdre cette partie. On peut tout à fait perdre cette partie, il n'y a aucune difficulté à ça. Juste que si on perd, la honte sera sur notre famille pendant 107 générations. Mais oui, mais ça, c'est pas grave. Vois-tu? L'Empire russe, il est vraiment tout petit, sans déconner. Bon, allez, je lance. L'Empire, allez. Ah, ils ont quand même des bombes atomiques. Hein, je lance. Tu lances quoi? Je vois ce que ça a fait.
Bah en fait c'est de la merde le missile guidé, ça fait... Ah ouais, c'est de la merde le missile guidé, ça fait rien du tout. Ah oui, c'est pas le missile nucléaire. Ok, ah je me suis fait piner. Ah tu t'es bien fait piner là, mais en même temps on t'aime ça, te faire piner. Ah putain, merde. C'est quoi que j'ai là? J'ai un missile guidé. Il fallait reculer. Mais il faudrait un missile nucléaire. Ah ouais, mais ça vaut tellement cher. Bon écoutez, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr c'est que j'achète un embris anti-aérien à Amsterdam parce que il faut que je me défende. Et je vais lancer un missile nucléaire. Ah mais missile nucléaire 7 tours. Oh je suis pas dans la panade. Oh je te raconte pas comment je suis dans la panade. Allez, par contre, essaie de défendre Maastricht parce que là c'est vraiment la prochaine ville à tomber. Écoute, est-ce qu'on se recule? Ah moi je suis reculé, moi je suis reculé moi. Ou alors est-ce que je continue de tenter de prendre Sio, parce que là en fait ça fait joujou un peu. Ou alors je recule les troupes, on fait la paix. Mais ils veulent pas faire la paix je pense hein. Attends, on va voir. C'est qui? C'est les Japonais. Nos comptes sont loin d'être réglés, nous avons autre chose à faire que négocier. Allez, putain tu fais qui? Hein? Avec vous avez moi, fait ça la... Marche. Oh! Avec moi oh ça marche. Oh, t'es sérieux? Oh le schlag. Oh le schlag, tu veux pas faire la paix avec la portugaise? Non. Allez stop, vas-y, fais pas le chacal. Juste histoire que je me refasse, que je fasse du nucléaire là. S'il te plaît. S'il te plaît. Que je me prépare un peu mieux parce que j'avais pas du tout fait gaffe à sa flotte. Alors s'il déjà Théodora, ils veulent pas faire la paix. Non, c'est pas Théodora. Hein. Genghis Khan, ils veulent pas du tout faire la paix. Non, mais c'est pas Théodora. Hein. Et Marie Première, ils veulent pas faire. Bon, bref, on reste en guerre parce qu'ils veulent pas faire la paix. Allez, bon, bah c'est peut-être le moyen d'aller me faire les Portugais, écoute. Hein. Ah, bah là, franchement, t'es en paix. Maintenant que tu es en paix, du coup, rien pris aux Japonais, mais tu vois très bien leur flotte navale. Pour moi, les Portugais te sont tout à fait possible. Hein. Tu commences par Aveiro, Villanova, Funchal. Tu prends ensuite Braga et Lisbonne. C'est ce que je vais faire, sauf qu'ils vont me bombarder à coups de missiles nucléaires, mais du coup j'ai... Ils en ont pas un missile nucléaire. Un missile guidé pour rien, quoi. Ouais, bon, c'est pas grave, au pire tu les as bien affaiblis, tu as fait comprendre aux Japonais qui était le chef. Ouais. Donc les amis, c'est l'épisode de la paix. On a fait la paix. Ah mais la non paix. Mais attends. Il a fait Attends, déjà, Organisation des Nations Unies, putain c'est n'importe quoi ce tour. Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on fait? Bannir ressources de luxe crab. Ben moi j'ai mis abroger 6 oui. Abroger. Ah, j'ai abroger mis 6 votes oui pour l'abroger, oui. Pour l'abroger. C'est oui? Ah oui, c'est oui. Ah oui, bah oui. Forcément. Donc oui, hein, abroger, je fais pas de conneries. Ensuite. J'ai tellement de notifications, c'est n'importe quoi. Ah ouais, mais si on peut ça attaquer ça un ennemi proche, ouais, ça on s'en fout. Un camp barbare, ok, ça je m'en fous. Alors, le Japon et Zurich ne sont plus alliés. Byzance et Hanoï sont désormais alliés. Machin ne sont plus alliés. Le Japon et l'Indonésie ont fait une déclaration publique d'amitié. On s'en fout. Suo est tombé aux mains de... Ouais, et ok. Le seul problème c'est faut faire la paix avec les Portugais. Ah mais pour l'instant on peut pas. Donc les Portugais tu les attaques et tu les déchires. Je vais venir t'aider hein, dans quelques centaines de tours. Ah c'est gentil. Y'a pas de quoi, c'est normal, naturel. Je sais pas, une connerie. T'as moi je dis ça au pif hein, mais je sais pas si son croiseur lance-missile peut défoncer mes unités. Bref, j'ai fait un peu une connerie, mais c'est pas grave. Du coup ici j'ai fait mon abri anti-aérien, je lance un missile nucléaire. Ah bah oui, tu lances un missile nucléaire, oui. Et je guéris mes troupes à côté de Bois-le-Duc. S'il te plaît hein, le nom de la ville du plaisir. Bois-le-Duc. Oui. Oh yeah. Du coup, on sait que les Japonais ont une flotte de fous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire une. Pareil, ah bah, c'est la masse de sous-marins et on les attaquera par surprise. Moi, je fais des sous-marins nucléaires. Hein. Je veux pas dire, mais... Bah, de toute façon, nous n'avons pas les mêmes valeurs. On peut pas faire que ça, de toute façon. Non, on peut aussi faire des sous-marins classiques. Ah ouais. Je savais pas. Donc le missile guidé, je vais le laisser là pour l'instant. Celui-là aussi. Ah, quoique, je peux peut-être essayer de... Non, je vais le garder le missile guidé, on sait jamais. Oui, par garde-le, contre, il peut là, oui.
Abri, encore un missile guidé, non. Il me faut des troupes terrestres. Il me faut des chars. Dans deux chars tours, de tour, on ou découvre alors, le laser. Ou alors un abri anti-aérien. Non, je vais plutôt faire un char parce qu'ils viendront pas m'atteindre jusqu'ici. J'ai une centrale nucléaire en attente, j'ai un autre char. Les Portugais, je devrais pouvoir les gérer. En fait, ouais, je vais plutôt... Mais oh, le son est 10 fois trop fort, c'est abusé. Bruitage. Ah, mais c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qui est gagnée. Eh oui. Moi, j'ai plus de musique, donc... C'est... Voilà, ah, hein. C'est mieux. Voilà, donc ce que je disais, c'est que je peux me faire les Portugais. Je vais commencer par Aveiro, en passant par Vilanova de Gaia. Mais c'est con, j'avais beaucoup de routes commerciales avec eux, c'est dommage. LOL, le japonais, il perd moins 1500 par tour. T'es sérieux? C'est n'importe quoi. LOL. Du coup, j'ai plus de caravane. Faut que j'en refasse. Du coup, ah, bah ce bateau-là, je vais la ramener là. Ah, cette musique, elle est tellement belle. Malheur. L'hélicoptère, il peut pas attaquer au sol, je suis dingue. Alors Bismarck, il a rien proposé. Mosek Mouta, il a rien proposé. Zupfen, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un port. Ouais. T'as pas autre chose? J'espère qu'il va pas m'envoyer un missile nucléaire ici. Hein. What? Ici, je peux maxer les bateaux pour passer au-dessus. Oh ouais, j'ai un plan diabolique. J'ai un plan diabolique. Mais du coup, ici, je vais faire un port d'abord. J'adore les phrases de l'arabe. Qu'est-ce qu'il en fait, dit hein. Non, je suis en train d'attendre, en fait, hein, donc... Ouais, je suis désolé, allez. Deux secondes. Je... Non, parce que là, on est désolé si ça prend du temps à passer le premier vous tour. Vous nous avez atomisé, j'adore ça. Tu regardes, tu laisses le curseur sur Haroun al-Rashir, c'est « Vous nous avez atomisé ». Oui, bah oui, normal. Bon, le japonais, j'espère qu'il va se tenir tranquille. Moi, j'ai tout ça à réparer, j'ai perdu plein de pétrole. Bref, c'est un peu la merde. Faut que ça se répare. Allez, tour suivant, on est parti. Le tour suivant de l'amour. M'excuse, je finis juste un trade, histoire de me retrouver avec un de malheur encore. Et plus que 14 de pertes en or. Alors, voyons voir ça. Putain, j'espère qu'ils ont pas fait les fous avec leur... Quand je stresse, là. Parce que là, Amsterdam approche le 50e citoyen, ce qui n'est, enfin, ce qui est énorme, il faut le dire. Tu leur as fait un abri anti-atomique à eux? Oui, j'en ai acheté un. D'accord. J'en ai acheté un, mais j'espère que ça va suffire. Hein. J'espère que ça va suffire. Bon, quand il veut le tour. Hein. Ah ben, c'est le tour, hein. Là, le temps qui tourne, hein. Là. Hein. C'est vrai que c'est assez long. Ça va suffire, moi, ici, pour me défendre contre Byzant. C'est vrai que c'est long. Allez, c'est bon. Waouh. Alors, moins 3, je suis à 0 de bonheur. Normal. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ils m'ont défoncé. Ils ont perdu un. Ah non. Ils m'ont défoncé. Ah, ils m'ont bombardé. Ah merde, ils m'ont intercepté mon hélicoptère. Ça, c'était pas bien joué du tout. Et qu'est-ce que j'ai là? Oh, j'ai un bombardier. Super. Siège. Oh, c'est bien ça. Ah merde, faut que j'attende que ça charge. Je vais prendre ces deux améliorations, bombardement niveau 1 et siège niveau 1. C'est super utile. Bon, quand il veut par contre. Hein. Tu charges Jean-Pierre? Oui, j'ai perdu une unité, putain. Oh là là, il y a tellement de notifications. J'ai un char, ok. Donc. Lol. Ah bah merde, il a qu'une amélioration disponible. Haroun al-Rashir complote contre Learn to Play. Le mec est à palinque, le sac. Pourquoi je peux pas aller là-bas? Je peux pas aller là-bas? Ici. J'ai un char. Paf, je vais l'améliorer. Le char de l'amour qui va pouvoir se rendre sur le front. J'ai perdu mon hélicoptère, c'est dommage. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une grosse armée de chars et de lance-missiles. Et je vais aller le démonter. Hein. Je vais aller lui faire bouffer le sol. Je vais aller lui piller une caravane. Voilà. Et hop là, piller la route commerciale. Bim, Sandor.
Ça, c'est bien. Oh, c'est quoi ça? Des fusiliers marins portugais. Ah, il y a des fusiliers marins portugais. Ça aussi, c'est chiant. Ok, ouais. Bon. Moi, j'ai les Byzantins qui essaient d'approcher mon territoire par en bas, par la mer. Donc, j'ai mon bateau, je vais le ramener ici. Ok, ici, alors, faut que j'aménage cette zone à côté de... Vraiment, c'est calé comme endroit à côté de Kuala Lumpur. T'as toutes les routes commerciales qui passent. Ici, j'ai mon char qui va se reculer pour se soigner. Toi, tu vas faire... Il me faut de l'or, là. Non, c'est pas grave. Toi, t'as pas le choix, tu vas me faire... Je fais la masse de marché parce qu'il me faut de l'or. Du coup, je vais en profiter pour maxer la... Bon, je continue de me développer. Mais je vais maxer la force navale. Et la force nucléaire. Cependant, je n'ai plus d'uranium, je suis dans la merde. T'aurais pas d'uranium à me prêter? Non. Enfin, si, un tout petit peu, mais non, je te prête pas mon uranium. D'accord. Bon, on est dans la merde. On est dans la merde. Je vais en avoir besoin, disons, d'uranium, parce que j'ai 4 d'uranium. Je t'enfile déjà, je t'enfile déjà 3, je crois. Ouais. Sachant que j'ai lancé un missile nucléaire qui me prend 2 de ressources, ouais. C'est tendu. C'est tendu. C'est tendu du string. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, dans cette ville? Bon, on va faire des unités militaires. Donc, un bon gros cuirassé, tu crois que ça fait du bien, ça? Ça fait toujours du bien par où ça passe. Les cuirassés, c'est pas mal, ouais. Alors, ça, après, c'est quoi? J'ai quelques solutions, comme ça, pour le faire passer par certains orifices qui, à la base, oh, ne sont pas... Oh, non, Yanamu pour... On avait dit pas les orifices. Ah, tu me parles de mon gros cuirassé, moi, je te propose, hein. À Kyoto a découvert que Nobubaba complote en secret contre vous, mais je m'en fous. Mais non, c'est bien qu'il partage ça avec toi, ça veut dire que le japonais, il a... C'est qui Kyoto d'abord? Ah, c'est les japonais. Ouais, il me fait une petite attaque, là, il se sent plus le portugais, là, il m'attaque avec ses pauvres bateaux, mais bon, je sais pas s'il a très bien compris le... Il a un chasseur sur Aveiro. Et apparemment rien d'autre. Ça, c'est... est-ce que je max les unités aériennes ou pas? Non, ça c'est pas utile. Je vais plutôt faire... Envahir les civilisations par-delà les mers avec des unités terrestres. Ah oui, embarquer des unités et les envahir par-delà les mers. Ça peut être sympa, mais je vais d'abord faire des chars. Ou des bazookas, ça peut être pas... Oh, les bazookas, c'est sympa, ça. Moi, je te conseille les lance-roquettes. Bazooka, ça tire que sur un de... lance-roquettes. Ah oui, les lance-roquettes, c'est les véhicules. D'accord. Bah, 2 lance-roquettes. Par contre, je peux voir que les Japonais sont en train de se positionner au-dessus de Cork. J'ai l'impression qu'ils veulent ma peau. Il va vite falloir que je fasse quelque chose, là. Bah là, déjà, faut que je reprenne le développement de mes villes, parce que va falloir réparer... Bref, on a du pain sur la planche, mon cher Yanamu. Du pain sur la planche. Choisir une construction. Ah oui, Palinque, du coup. Bah, Palinque, elle va fournir un soutien aussi, quoique, si je peux la développer. On va faire un dépôt d'armes, histoire d'avoir des unités un peu plus améliorées. Donc ça, on s'en fout. Tour suivant. Allez, tour suivant, on est parti. Tour suivant. On est parti pour le tour suivant. Comme vous l'avez vu, les gens, moi, de mon côté, j'ai amélioré certaines unités, histoire de gagner notamment en puissance militaire et afin d'être plus dissuasif. Mais oui, c'est clair! Je regarde le portail de la démographie dès que j'aurai accès, bien entendu. Bismarck Moctezuma a fait la paix avec Zurich. Ouais, d'accord. Intéressant. L'organisation des... Ouais, bon, ça, on s'en fout. Une unité a suffisamment d'XP. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, putain, ce chargement. Ça, c'est chiant, quand même. Hein. Ah, bah, c'est le chargement de la mort, hein. Ouais, parce qu'en fait, ça... Ouais, c'est pas complètement chargé. Ah, voyons, soldat, je suis 8ème, c'est pas bon, ça. Oh, c'est la portugaise qui est première en soldat. Ouais, bah ouais, mais attends, t'inquiète pas, on se calme, Tu as 132 millions de population. Moi? Oui. Wouah! Ah, bah ouais, ils m'ont buté mon tank. Oh, ils sont pas gentils. Le yen-anisme progresse. Ils m'ont buté mon tank. Bon, je vais essayer de prendre toute la côte nord, là. Tout le littoral nord pour aller sur Lisbonne et la France occupera des Japonais. What? Ils veulent me foutre un embargo sur ma gueule. De qui? Mais je sais pas qui c'est qui veut faire ça. Ah bah c'est devine, tiens, c'est ta grande salope là.
C'est l'autre la Marie Première. Mais oui. oui. Mais oui, mais oui, mais oui, je te l'ai dit. Ça peut être pas mal aussi. Défense contre les unités à distance. Ça, c'est très bon, ça. Ça, j'aime. Ça, j'aime, comme les téléphones. LOL! J'adore cette blague. Mon Dieu. Va falloir que je max les abris anti-aériens. Un petit sous-marin nucléaire ici, ça devrait le faire, non? Allez hop. T'as Le toujours pas sous-marin réparé le chemin nucléaire de de fer. l'amour. Est-ce que je peux aller bombarder ici? Ah, je peux aller bombarder celui-là. On va faire ça, tac, voilà. J'ai perdu un peu de vie, mais ça fait du gros dégât. Ici, je max l'argent, je suis à 0 de bonheur, ça c'est cool. Vous allez aller là. Alors, mon navire, toi, tu vas rester là. Il a pris cher, mon sous-marin nucléaire. Oui, c'est vrai qu'ici, j'avais pris une bombe nucléaire ici. Faut que je fasse attention aux raids aériens des ennemis. Faut que je m'arme aussi au niveau de l'aérien. Alors, un marché ici. Faut que je redéveloppe ma street. Ah, j'ai du boulot, j'ai du boulot. Faut que je décontamine et que je répare tout. Il me faudra un autre ouvrier. Sauf que j'ai plus d'ouvriers. Abreda, qu'est-ce que tu vas nous faire, Abreda? Abreda, un laboratoire médical, Abreda? Ou un sous-marin nucléaire. Je vais faire la masse de sous-marin nucléaire. Ou alors, non. J'ai dit que je faisais 8 tours. Un char, 8 tours. Allez. Faut quand même que je fasse de l'unité navale. Je sais que j'en ai pas mal, mais. Bref. Le missile guidé, on va la ramener à Amsterdam. Je sais que c'est pas très sécur. Enfin, c'est pas très sécu, mais. Voilà. Réclame des truffes. J'ai pas de truffes, moi. LOL, c'est quoi ça? C'est qui, eux? C'est qui lui? Il y a un archéologue orange là, c'est qui Genghis Khan? Ah ouais, c'est. Ouais. Bon, Ouais, et puis ils sont en train de piller un site antique, ouais, ces enfoirés. au pire pour ce que ça rapporte. Hein. Oh, comment ça trash? Oh, ici j'ai pas mis de bateau, il faut que j'aille récupérer le poisson. Ah, mais j'ai un missile nucléaire en cours. Ah, j'ai deux missiles nucléaires en cours en fait, c'est pour ça que j'ai plus d'uranium. Comment ils vont bouffer cher les Portugais? Chantier naval, allez hop. J'espère qu'ils vont pas s'amuser quand même avec leur joujou nucléaire. École militaire à Palenka. Disons que vous voyez les gens, je vais perdre mon sous-marin nucléaire ici, parce que je ne peux absolument pas le défendre. En bas là, à cause des Byzantins qui sont en train d'essayer de m'envahir absolument. Du coup, toi, tu veux plus faire la guerre, la paix avec Byzance. Byzance. Ah ben si, Byzance, c'est l'allié de Catherine. Non. Ah si, si, si. Ouais, non, ils veulent pas. Non mais t'inquiète, c'est des cons. Il y a une bibliothèque ici. Même si c'est pas super super utile. J'ai lancé la construction de beaucoup de marchés, donc ça devrait rapporter de l'argent normalement. Je dis bien normalement parce qu'à chaque fois ça me compte rien. Tu veux que j'essaie de faire la paix avec Byzance? Non, non. T'es sûr? Ils veulent pas pour moi. Ah, moi non plus. Enfin, tu peux essayer, hein, mais Non, non. Catherine, c'est quoi? C'est la Russie? Ouais, la Russie qui Ouais. sert à rien. La Russie C'est qui se ça. fait chier, qui a trois villes, la Russie. Ben, Non. la Russie qui a trois villes et qui est bien, bien, bien placée au niveau du classement, quand même. C'est vrai qu'en plus, elle défonce Théodora. Cherche l'erreur! Elle a deux Oh! bombes atomiques, elle a tout ce qu'il faut en Russie, hein. Oh! Oh! On a découvert laser au prochain tour. On va pouvoir faire Ouais, des je chasses sais, à la ouais. réaction et des blindés modernes. Ouh, comment ça va faire mal. Voilà, c'est pour ça qu'on va Ouais. peut-être attendre un peu avant d'aller défoncer les Japs. Non, mais les Japs, quoi. Non, parce que d'abord je me fais les Portugais, et puis après on ira chez les Japs, qui ont que des Oui, bateaux. une fois que tu auras fait... Enfin, le Portugal, tu me diras, c'est un empire très étendu, hein, parce que au-delà de l'Undawa, ils ont toutes les villes au-dessus du Japon là qui sont bien positionnées, hein. Oui, ça c'est clair. Ouais, c'est des toutes petites villes en même temps, hein, mais Ça voilà c'est quoi. clair, ça c'est clair. Waouh. Alors attention, là ça va gérer. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Putain, ils m'envoient toute leur merde là, tout leur bateau à la con là. Bon, alors toi qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un comptoir, hein. Ah, je suis dans le malheur. Flûte. On peut pas faire des échanges d'ailleurs. On échange déjà, je m'en souviens plus. Eh, j'ai Ah, regardé, purée. non, y a rien du tout, y a rien à faire du tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont buté là? Waouh, 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 Ils waouh, m'ont waouh, j'ai des buté. unités éliminées dans tous les sens, moi.
Ils m'ont buté un ouvrier? C'est quoi cette connerie? Toi, il parle de quoi là? Je n'y étais que... Allez, l'arabe il est en train de positionner ses lance-roquettes autour de chez moi, tu sais. Non, mais c'est pas un peu trop flac ton truc qu'est-ce là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout ce que c'est. Bref, je comprends pas. Waouh, mais en fait, j'ai complètement fini de développer cette zone ici. Toi, tu vas rester là en défense. Et toi, du coup, ah, flûte. Tu vas faire une ferme. Oh, yes, génial. Contre les unités terrestres. Contre les unités navales. Toi, tu seras spécialisé contre les unités navales. Un char. Ici. Pour aller défoncer. Toi, tu restes là. Toi, tu te soignes. Toi, tu restes là. Ah, je peux les faire évoluer en blindé moderne. Ça, c'est cool. Toi, tu vas pouvoir aller bombarder. Mais genre, un sous-marin, ça peut atteindre un bombardier, quoi. Oui. Ah bon? Enfin, ouais. C'est le contraire qui est plutôt con. Un bombardier qui peut atteindre un sous-marin, excuse-moi, mais... Oui, bah là, il est pas en plongée, alors. Hein. Non, c'est pas si con que ça. On part sur quoi? Robotique, je suppose, pour faire des croiseurs lance-missiles. Ou de l'infanterie mécanisée, comme tu veux. Bah, 3 tours, robotique, allez hop, on se pose pas de questions. C'est bon, hein. 2 tours. Connexion. J'ai pas vu ce que ça avait marqué, c'est pas grave. Ah, une connexion entre Zupfen et quoi, j'ai pas vu. A été coupée ou je sais pas quoi, non. J'ai pas bien vu ce qu'ils ont mis. Un ouvrier a été capturé à Kuala Lumpur. Oh merde! Putain, je suis en guerre! Oh, ils m'ont capturé un ouvrier, les salauds. Oh, Kuala Lumpur. Oh, en plus, putain, fais chier, quoi, les mecs. On peut pas faire la paix là? Ah, mais merde, non. Flûte. Et non, ils sont allés avec les Russes. Putain. Oh, fais chier! Il faut leur filer de l'argent. Eh! T'as Almer qui est en train de se faire attaquer par un lance-missile, ça mobile, hein. Tu vas perdre ton uranium, hein. Bah oui, c'est ça le problème. Faut que je ramène des unités, là. Achète une unité sur place. Non, je vais ramener un bateau. Oh fuck, ça c'est con par contre. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Un stade pour être dans le bonheur. Ça va durer longtemps quand même. Hein. Un moulin à vent, un stade 14 tours. Bon, ici j'ai pas le choix, j'ai envie de faire un stade, allez hop. C'est où le stade? Stade. Parce que normalement, ici ça devrait le faire. Blindé moderne, 4 tours, allez. J'ai combien? Ah, j'ai pas beaucoup d'aluminium, merde. Un chasseur à réaction. Non, je préfère encore faire un sous-marin nucléaire. Je vais pas tarder à aller lancer un assaut sur les Portugais. Ah, il va y avoir un sous-marin par là, les gens, vous voyez. Sérieux, je comprends pas. J'ai l'impression que quand plus tu construis le marché, moins ça te fait d'argent. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, bah, je te rassure, hein, je suis aussi dans la merde financièrement. Hein. Et les Kuala Lumpuriens, là, ils me font peur, là. Parce que j'ai pas envie de perdre mon uranium. Ce serait vraiment trop con. Hein. Et il me faudrait... ouais, non. Non, ils vont pas faire les fous. Bah écoute, on passe le tour, hein. Attends, moi je suis encore en train de faire des lance-roquettes et tout, là. Moi je passe le tour. Je me renforce un peu au niveau armé pour aller choper Avero. Je vais faire quelques bazookas. Je vais aller choper Avero. Après, oui, la Nova des Gaia. Je vais essayer. Après, je remonterai sur Funchal. Après, je pense qu'on fera une pause. Enfin, dans le sens, on fera peut-être la paix. Si jamais on est trop dans la merde. Bref, on verra. Ah ouais, t'envoies plein de bateaux en bas, là, des destroyers, des sous-marins, etc. Mais c'est là. Juste. Ah, mais non, mais c'est vrai, parce que je fais des unités. J'avais complètement zappé. Ah non, c'est bon. Wouah, qu'est-ce qui se passe? Votre bazooka a été bombardé, votre cuirassé a été bombardé, je comprends plus rien là. Je comprends rien à ce qui s'est passé. Je perds de plus en plus d'argent. Je comprends rien à ce qui s'est passé. Ah, du coup je peux recommercer avec le Japon. Ah, je t'ai vu.
Je t'ai vu. Alors attends. Ouais, ça je m'en fous. Ah, le chargement qui fait chier là. Allez, bouge. Bouge ton gros groin là. À mon avis, celui-là doit être par là, vous voyez là. Alors, mon bombardier, il va aller bombarder. Ah, ils m'ont bousillé un cuirassé quand même. Votre cuirassé a été détruit, ouais. Par un cuirassé adverse. Une unité a été repérée sur votre territoire. Ah, mais c'est qui m'attaque? Ah, ils m'ont tué mon bazooka, les salauds. Ah putain, les salauds. Il m'attaque là-bas, faut que je fasse gaffe. Ouais. Putain, ils m'ont tué un bazooka. Putain, il faut vraiment que j'ai des... il faut que j'achète un ouvrier. J'ai pas le choix, il faut que j'achète un ouvrier. Oh, ça coûte 160. Ah, je m'en fous, j'en ai besoin. Faut réparer toute la zone, décontaminer, reprendre le pétrole, mais bon. C'est trop important. Oh, je peux choisir une doctrine. Je dirais que c'est le bon moment. J'ai tout le commerce. C'est cool ça. J'avais oublié. Idéologie, est-ce que j'ai un bon principe? Choisir un principe de niveau 3. Tourisme plus 34% pour les civilisations possédant moins de bonheur. Ouais. Un tribunal gratuit pour chaque ville annexée. Les routes commerciales internes. Oh, c'est génial ça! Un tribunal gratuit pour chaque ville annexée. Les routes commerciales internes génèrent 50% de nourriture ou de production supplémentaire. Ah, c'est bien ça. Mais est-ce que c'est utile tout de suite en fait? Ça, c'est l'autre question. Bonus d'attaque en territoire allié plus 15%. Double les chances. Ouais, ça c'est pas mal. Et ça, c'est quoi? Un point supplémentaire de production de sens et d'or pour chaque ville. Ouais. Les nouvelles cités démarrent avec 3. Ouais. Oh là, mais il va loin le petit Sam mobile là-bas là. J'hésite sinon à partir sur autre chose. Sur la science. Ah non, ça sert plus à rien la science. T'as quoi, genre, on va rentrer au Berkay ici, là, on va attendre un petit peu, hein, que ça se calme. Ah, sur l'exploration, j'ai envie de partir. Toi qui vois. Parce que on a beaucoup de villes côtières, alors bon. C'est vrai. Ou alors je me finis la tradition. Je saurais pas te renseigner. Moi, tout ce que je vois, c'est que plus je construis de comptoirs commerciaux. Non, de comptoirs commerciaux, c'est ça. Comptoirs commerciaux, ouais, c'est ça. Allez, je pars sur. Je finis la tradition, paf, voilà, j'ai fini tradition. Moins j'ai d'or. Ouais. J'ai fini la tradition. J'ai fini la tradition. Ah, mais c'est parce qu'ils m'ont bombardé avec un hélico et tout le bordel. Ah ouais, c'est pas sympa ça. T'inquiète pas, j'ai des bateaux. Alors, qu'est-ce que je peux construire? Palinque. Bah, Palinque, il va me construire un... Il va me construire des fusiliers marins, Palinque. Ah, c'est vrai que j'ai un bombardier ici. Putain, les bateaux, c'est vraiment une plaie. J'avoue. Surtout ici, là, vous voyez ici, là, dès que ça s'est terminé, là, j'ai fait construire ici des sous-marins à la toque. Des unités navales à la toque pour essayer de me défendre, parce que sinon, je vais mourir. Ah mais putain, mais il me bombarde le salaud hein. Te bombarde quoi? Avec ses hélicos et tout là, putain. Ah mais le croiseur lance-missile doit te faire mal là, il te faut y envoyer ah oui, ça doit quelque être chose ça. Pour le tuer hein. Bah ouais, t'as pas des bombardiers? Si mais ils sont pas là. Ah bah t'en as un à Harlem, ramène-le sur Amsterdam, sur Nijmegen, pour essayer de te défendre hein. Non mais j'ai déjà utilisé. Ah merde.
pour les bateaux. Mais ouais. Du coup, je. Mais ah, je m'en fous. Le crabe là, je peux pas l'exploiter pour l'instant. Du coup, je vais en faire un. Un bombardier. Flûte. Allez, moi je suis en mode tour suivant là. Moi aussi, je pense. Allez, tour suivant. On est des fous. Je pense que je vais essayer de me prendre la première ville, voire deux villes portugaises dans cet épisode. Tiens, si tu peux me filer des coups de main avec tes aéronefs, je sais pas si t'en as, mais... Bah disons que je suis un peu loin pour te filer un coup de main. Bah les avions, ça vole, hein. LOL ! Certes, mais j'ai tout ton empire à traverser et je peux pas aller aussi loin. Bon. Il me faudrait un porte-avions et une flotte dans la mer extérieure. Ouah, j'ai beaucoup de trucs, là. Oh, fais chier, quoi. L'autre, il m'a pourri ma ferme. Ah non, même pas. Attends, attends, attends. Destruction d'un camp par un lance-missile de SAM. Oh, si, il m'a pourri mon truc de fourrure. Oh, le salaud. Allez, là. Oh, le chargement de l'infini. Allez, construis cette ferme, nom d'une pipe. On a découvert la robotique. Ouais, ouais, je voulais te le dire. Putain, ça met 100 ans à charger. Waouh, le chargement de l'infini. Voilà, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, ce truc. Cependant, ils ont mon ouvrier. Va falloir que j'en ramène un jusqu'ici pour réparer et continuer à construire. Putain, c'est chiant, hein. Eux, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah bah tiens, bah j'ai trouvé. Parfait. Des ouvriers. Allez, je continue à faire des... Ah, du coup, ils se sont barrés avec leur bateau. Ah, super. Hop, voilà, j'ai un bombardier à Nijmegen. Ouh. Transport un aérien. Qui relie là et là, je oh, pense. Oh, ça c'est gay bien. Route entre là et là. Là, je pense. Ouais. Toi, pour l'instant, tu vas assurer là, le développement. Ça, ça fait mal, ça. Ça, ça fait très mal. Le porte-avions, il va pas rester longtemps. Putain, mais il me bombarde, hein, le bourre, il me bombarde. Ok, bon, eux, ils vont me faire chier. Ils vont me saouler, ils vont me péter tout. Merde. Je vais rester là pendant un temps, mon ami, parce que j'ai peur que... Ils vont tout me péter, je vais devoir aller encore tout réparer. Oh, c'est relou, ça. Il me faut plus d'ouvriers. Mais... Là, toi. Et bombarde-moi ça, merci. Allez, faut tout que je répare. Oh yeah! Pouf! Bon, toi, tu vas faire quoi, toi? Toi, tu vas faire quoi, mon ami? Bah, toi, tu vas faire une ferme. Ah, missile nucléaire! Alors, maintenant qu'on a bien discuté, on base? En fait, j'ai été détruit par l'usure. Bon. Le reste a désormais 4 citoyens. Oui, c'est normal, je suis dans le bonheur, donc ça se développe vite. Bon, vous voyez que bon, c'est bon. Tout sur la bouffe, hein, les gens. Hein. D'ailleurs, j'en sortir un pour le foutre là, sur un petit peu d'or parce que... Allez, j'ai un sous-marin. Et un sur un petit peu de prod avec. Histoire de bon, ça va ralentir un petit peu l'histoire, mais c'est pas grave. Ouh, j'ai des bons bonus pour mon sous-marin. Comment je fais pour le mettre en plongée? Il est toujours en plongée. Ah, il est en plongée, t'es sûr? Ouais, ouais. Le sous-marin nucléaire, t'es sûr? Je demande, on sait jamais. Vous avez découvert la robotique. Ou le croiseur lance-missile. Oh. Allez, je lance un croiseur lance-missile parce que je suis un fou. Zupfen, qu'est-ce que tu vas faire, Zupfen? On va développer sur... On va partir sur quoi? La furtivité ou la tactique mobile, hein? Ah, pardon, pour la... Ah oui, on a plusieurs trucs. Ouh, furtivité. Oh, nanotechnologie et Squadiscom. Ouais, mais j'ai pas envie de le faire de suite, en fait. J'hésite entre la mondialisation pour avoir délégué supplémentaire à chaque diplomate... Oh non, fusion nucléaire pour avoir les méga-colosses. Mais méca-colosses.
Ou tactique mobile, ouais. Je propose de partir d'abord sur tactique mobile. Et ensuite on part sur fusion, allez hop. Et après on part sur, ouais, sur autre chose quoi. À fausse ordre mon colonel Yanamu. Bon, cela étant dit, j'ai mon missile nucléaire de près. De près. Merde. J'ai 4 de bonheur, c'est bon ça. Je vais lancer l'assaut au prochain tour. Enfin, encore quelques tours pour me préparer. Et je balance ça. Lol. Ah, il me faudrait 115 heures pour celui-là là. Encore que c'est une amélioration à Midglorious Gatling, donc c'est intéressant. Je suis en train de regarder les unités que je peux légèrement améliorer. Vous avez... Ouais. Pas voler technologie. Oh putain, je peux pas voler technologie à l'Indonésie. Non, pas encore. Bah déjà on a bien rattrapé notre retard je trouve, hein. Franchement on a drôlement bien rattrapé notre retard, hein. Je suis d'accord. Alors à Rotterdam, qu'est-ce que je peux faire à Rotterdam? Un chantier spatial. Non, ça sert à rien. Lol. Rotterdam, 37 habitants. Par contre, ce que je peux faire, c'est beaucoup de bombardiers. Ou blindé moderne encore. Ici je peux faire un bombardier, non? Allez, un bombardier dans 3 tours. Voilà. Et je pense que voilà, mon but c'est dans cet épisode, je sais pas si j'aurai le temps de faire Villanova de Gaia, mais c'est de choper Aveiro. Voilà. Aveiro. Aveiro d'ore. C'est pas ça? Non, c'est pas ça, non. Ah bon, tant pis, j'aurais essayé. Bon les amis, prochain tour, moi je vais tour suivant. Je débloque enfin une bordelle là, une doctrine. Une bordelle. Oh yeah. Oh yeah quoi. Oh yeah, la célèbre rue des Pays-Bas, enfin débloquée. On ne va pas la citer bien entendu parce qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité, hein, mais tout le monde voit très bien. Ah putain, de malheur. Je veux dire. Ah bon. Ah moi ça va, je suis en bonheur pour l'instant. On espère que ça va durer. Ah, elle se développe plus. Faut qu'on regarde ce qui se passe. Oh, mais je suis pas chez moi, je suis bête. Bon. Eh, hey, j'ai pas mal de tourisme, hein. J'avais pas fait gaffe. Je suis à 56 en tourisme. Moi, je suis à 129. Oh, c'est bien ça. C'est pas mal, ouais. Ah, je vais pas assez chercher, je pense, les artefacts. Ouais, enfin je sais pas. Alors, j'ai un blindé moderne. Allez, le chargement de l'infini. Allez, putain. C'est bon, c'est chargé? Ouais. Allez, toi tu meurs. Et toi, bah toi qu'est-ce que tu vas faire toi? Bah toi tu vas aller là. Allez hop, on envoie ça en haut et on fonce. C'est parti. Eux ils vont être un peu, ils vont aller un peu au casse-pipe. Le bombardier il va aller sur Zupfen. Et lui, bah lui il va d'abord. Oh, c'est pas mal ça. Déjà, on va essayer de se faire lui là. Le transport aérien, c'est vrai que c'est super utile. Oui. J'utilise pas. Non. C'est vrai. Ici, on va réparer. Là, on va réparer. Bon, j'hésite là, franchement. Les gens, franchement, j'hésite. J'hésite. J'hésite entre la tradition navale, qui me donne bonheur plus 1 pour chaque port, chantier naval ou phare. Ou bien la ville côtière à production plus 3. On va commencer par la tradition navale. Hein, parce que YOLO. Ouais.
hein, pour avoir plus de bonheur. Donc j'ai voilà, mon... 22 de bonheur. J'ai mon missile nucléaire. Et là maintenant on va essayer d'aller aider l'entouplé un peu. Oh, oh, je suis à une case de sa ville. Putain, je suis à une case de sa ville. Ça, ça doit bien foutre les boules quand même. Oh fuck. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais ça doit foutre les boules quand même. Faut que je le... Putain, faudrait que je le déplace. Je vais le déplacer à Nijmegen. Et mon deuxième est bientôt prêt. Il est prêt dans... ben, en fait, il est où? Ah, j'avais plus d'uranium. Ah non, c'est bon. Dans un tour, il est prêt. Bon, ouais, dans un tour. Dans un ou deux tours, ouais. La ville est à moi. Je balance bah, toute l'armada. Ah oui, j'ai mon sous-marin aussi. Et un sous-marin en moins. Allez, toi, tu vas là-bas. Bois le duc réclame des clous de Girolf. J'en ai rien à foutre. Clou de Girolf, le coup de Girolf. Voilà. La banque, ici. Il me faut une banque. Utrecht, qu'est-ce que tu peux faire à Utrecht? Bah, encore de l'armée. Ah, je suis en déficit. Oh, sans déconner. Bienvenue au club, mon ami. Bienvenue au club des déficitaires. Oh yeah. Ah, par contre, si je produis de la richesse à Utrecht, je suis plus en déficit. Mais je vais faire des lance-missiles. Ouais, tu dois avoir suffisamment d'or, je pense, pour résister encore, non? J'ai que 247, hein. Je suis... Oh. Or, c'est pas... Bah, c'est pas la fête, hein. Oh. Eh oui. Ah, je suis en plein bonheur, moi j'ai 22 de bonheur. T'as les gens. 22 de bonheur. Ah, c'est gentil. 22 de bonheur. C'est gentil, c'est gentil. Bah, du coup, je vais utiliser Harlem pour produire de la richesse. Ah, hein. Oh, mais ça me comble même pas le déficit. Donc, ça sert à rien. Autant produire de l'armée. J'ai un autre char quelque part, je le sais, il est là. À Bois le Duc. Ouais, le duc, on va faire la banque. Et je peux passer le tour. Hein. Oh, attends, moi, je suis pas là encore. Hein. Je regarde si j'ai pas d'autres unités militaires que je peux t'apporter parce que je sais que t'es dans la mouise. Là, ici, je vais en avoir besoin pour défendre par ici parce que regardez-moi ces enfoirés là. Ils sont là, ils sont massés ici, là, vous voyez. Ils espèrent reprendre Cork en fait. Naturellement, je vais tout faire pour les en empêcher. Je vais être dans un sacré déficit, hein, je te raconte pas. Faut que je prenne la ville rapidement, j'ai pas le choix. Il faut que je la prenne vite, il faut que je la prenne vite, très très vite. Je vais lui envoyer du nucléaire dans la gueule, comme ça sera fait. Fais gaffe, on va encore se retrouver en guerre totale là. Mais non, je suis déjà en guerre contre le Portugal. Oui, mais à la missile nucléaire, je te rappelle que ça a une influence négative. Ah sur... ouais. Les autres, et donc on va encore se retrouver en guerre totale. Oh, bon, t'as raison. Bon, je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser mes missiles guidés. Garde-le en force de dissuasion si t'en as envie. Mais j'en ai deux. Ouais. Économise. Ouais, ouais, mais du coup, t'as plus d'uranium, ouais. Ouais, j'ai plus rien là. Là, je suis à sec. À sec. Je suis à sec. Bon, allez, tour suivant. Putain, l'autre, on l'attend depuis tout à l'heure, quoi. Ouais, je suis en train de déplacer les troupes, tu vois, je suis en train d'essayer de te porter assistance, tout ça. Ramener quelques unités là-haut, parce que c'est loin de chez moi, tout ça. Voilà, ah. Quoi. D'ailleurs, si tu veux, Véro, tu me la laisses, comme ça, au moins, je pourrais t'aider davantage. De quoi? D'ailleurs, si t'en as envie, à Véro, tu peux me la laisser, comme ça, je pourrais davantage t'aider par la suite. Non. Alors, écoute-moi bien, mon ami. Écoute-moi bien. Je t'échangerai Aveiro contre Fustat. Contre qui quoi? Qui est une ville actuellement arabe. Non, j'en ai rien à cirer, moi. Fustat, c'est où, ça? C'est où? C'est en Arabie, c'est à droite de Douglas. Derrière Basra. Hein? Ah, non. Ah, quoique, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas. Oh, putain, j'ai perdu du bateau ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu un tank, là. Ouais, toujours à moins 80 d'or, moi. Oh putain, mais ils font tellement de dégâts, c'est n'importe quoi. Je prends trop cher. Hein. Bon, par contre, lui, il commençait sérieusement à me faire chier avec son porte-avions, donc voilà. Oh, le chargement de l'infini.
Bah go. Ah mais il a de l'aéronef. Putain il a du chasseur hein. Mon dieu. Il a du chasseur. Bah go. Allez bombardement. J'ai une petite bombe atomique qui traîne sur Cardiff, histoire d'avoir une petite force de dissuasion. Oh putain, non c'est bon. Lui je vais plus le titiller avec mes bombardiers parce que... Oh mon sous-marin nucléaire il fait tellement de dégâts. Je le déboîte le pauvre. On doit voter quelque chose là aux Nations Unies ? Non je crois pas. Enfin... Ah si, si si. Ben, Hamburgo Celt contre. Ha, si. Attends, oh. Moi, je suis pour, hein. Transport aérien, paf, Amsterdam. Bim. 1, 2, 3, 4 citoyens, c'est très bien, tout ça. Là. Donc, toi, tu aurais... Ah, faut que je décontamine ici. Allez, un autre sous-marin. Faut que je fasse gaffe, il a l'infanterie mécanisée, le salaud. Ah ouais, il faut faire gaffe, en effet. Ça, c'est problématique. Je suis en guerre contre... Non, on n'est pas en guerre contre les Arabes, on est d'accord. Non, non. Ok. Bah, Médin et Gajamadaï complotent contre moi. Hein. Oh, t'inquiète. Ça, c'est pas... C'est pas une nouveauté, mais quand même. Toujours mal de savoir qu'on complote contre toi. Ça c'est bien ça. De quoi ? Non. Il a 3 chasseurs sur Aveiro, fais gaffe. Hein. T'inquiète, c'est des chasseurs. Ouais, c'est des chasseurs. Ouais. Mais il faut que je l'attaque, il faut que je l'attaque, il faut que je l'attaque. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'ai ? Bah attends, je vais envoyer mes missiles guidés parce que ça... Missiles guidés, c'est bien gentil, mais... Allez, pour moi, je suis à tour suivant. J'espère que l'embargo contre moi, il va pas passer. Hein. Sérieux. On peut pas échanger leurs demandes, là. Ça fait bobo, quand même. J'ai bien envie de leur mettre un missile nucléaire, mais bon... Bon, j'envoie tout au casse-pipe et voilà. Embargo contre les Celtes, je mets non. Oui, tu mets 6 non. Ok, allez hop. Voilà, toi t'as chopé. Oh, les Japonais ils sont hostiles. Hein. Bon, bah au final, j'aurais réussi à prendre rien du tout. Ça prend tellement de temps à civilisation à se mettre. Ah t'as encore du temps là, on a encore 2-3 tours hein. Ouais. Et puis regarde, j'ai des unités qui arrivent vers toi moi. Vu que là j'ai trop d'unités déjà, je vais produire... Quoique je peux produire encore un missile guidé tiens. Missile guidé ça met qu'un tour à produire et puis je peux le balancer tous les tours. Ah oui sur Aveiro, comme ça tu détruis petit à petit. Non c'est trop loin, c'est une case trop loin je crois. Bah sur Zupfein, bah transfère-les sur Zupfein. Zupfein. Zutfein. Oh, ils ont...
École publique. Bon bah voilà, on attend le tout play maintenant. Tout à l'heure il m'a attendu, maintenant c'est moi qui l'attends. Allez, tour suivant. J'ai peur quand même. Hein. Je lance mon assaut sur Avero, mais ça va être très 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 tendu. Sachant que Villanova de Gaia est juste à côté, ça va être vraiment super chaud. Mais une fois que j'aurai libéré le Nord... Bref. Déjà, t'auras ça de moins à te soucier, quoi. Des belles sessions en perspective, vois-tu. Ah, mais c'est clair, ça donne envie de continuer à jouer. Oh putain, hein. Embargo, ça a été adopté. Non, je suis dans la merde alors. T'es dans le sida. Pourquoi je dis ça, moi? Voyons voir ça. T'es dans le sida. Bon, j'étais à 20 de bonheur. J'étais à 20 de bonheur. T'es passé à. Vas-y, dis-moi. 16 de bonheur. Combien? 16, j'avais qu'un seul trade. 16? Oh. Alors, oui, du Portugal, Russie, Mongolie, Byzance. Putain, il me shot un tank à chaque tour, ces enfoirés. Putain, mais ces bateaux de merde là. Dans un tour, j'ai mon cuirassé, ils vont comprendre leur douleur. Alors, attends, je veux savoir qui c'est qui a voté oui pour moi là. Byzance, Mongolie, Russie, Portugal. Voyez ces quatre civilisations, on va les anéantir. Non mais de toute façon, on est censé anéantir tout le monde, donc. T'en fais pas, mon Yannick. Et j'ai un écrivain illustre, les gens. Bien joué. Ah, je peux faire un traité politique pour avoir de la culture, tiens. Oh, j'en ai deux. J'ai aussi un. Un autre illustre. Voilà. Là. Oh oui, le bombardier de l'amour. Ah ben j'ai pris la Allez bonne... Je peux rien faire là en fait. Ah, je peux rien faire, on va rester là. Hein. Le bombardier de l'amour. Qui va contre les unités. Naval. Oh. Non, plus ici tu peux rien faire. Oh, c'est la mouisse. Bon, je vais commencer par raser, je pense, quelques ouvriers parce que j'en ai trop. Le missile guidé de l'amour. Voilà. Là-haut, faut faire des comptoirs commerciaux partout. Bah moi, je max que ça depuis tout à l'heure, les comptoirs commerciaux. Ah, la caravane. La caravane. Voilà, j'ai une petite bombe atomique sur Uxmal. On sait jamais, ça peut servir. T'avais pas vu à toi. Bon, bah je te propose d'attaquer, hein. D'attaquer la ville, hein. Bref, j'ai déjà commencé avec mes pauvres tanks. Attends, je suis en train de gérer, moi j'ai eu un sous-marin nucléaire à m'occuper là. Attends, je leur ai pillé un truc, ça va pas leur faire du bien. Ah mais moi je peux pas avancer plus que ça, t'es devant moi donc... Oui, je sais, mais... Quand même. Ah, missiles guidés de tour, ils sont sérieux? Je vais encore faire un blindé moderne. Ah, j'avais un lance-roquette qui est mort. D'accord. Alors, un personnage illustre, donc c'est l'écrivain. Le crabe. Girofle. Crabe. Une muscade. En Rotterdam, Brest encore possède un... 5 citoyens. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il exploite ça, c'est parfait. Je vais encore faire un bombardier. Je vais maxer les bombardiers parce que les bombardiers, c'est super utile. Et a découvert que Gajamada complote en secret contre Genghis Khan. Palinque, un château. Ici, une banque.
toi là tu vas t'augmenter un petit peu, genre dépôt d'armes, etc. Parce que voilà. Hein. On va essayer d'un petit peu tout maxer là parce que sinon je vais être dans la mouise très vite. Voilà, bon. Ah oh, bah putain, on a dépassé le temps réglementaire. Bon, on passe le tour et on se quitte là. Hein. Bon, okay. J'aurais pas réussi à prendre un verrou, hein. C'est une dans une prochaine session. Ah bah là, de toute façon, on est très près de le prendre. Hein. Et ben bah, go, passer le tour. Mais n'oublie pas, attends, avant ça, transfert à... Ah bah non, bah de toute façon, oui. Passe le tour. Un missile nucléaire à transférer sur Bzopfein depuis Amsterdam. Non, je laisse là. Ok, tu le laisses là. Ouais, je te conseille, ouais. Par contre, ils ont quoi comme artillerie là? Ouais, tout. Attends-toi. Villa Nova de Gaia, il te faut lui envoyer un missile nucléaire. Il a 4 bombes atomiques. Ah ouais? Ouais. Bon ben, je sais quoi faire maintenant. Non, mais là, on refait un tour supplémentaire parce que sinon, tu vas te faire atomiser. Déjà, tu devrais te faire atomiser non, maintenant. Non. Prochain tour. Ah ben, il l'a lancé sur sa ville. Ah non. T'es sérieux? Ah non. Non, il a lancé au milieu, je pense qu'il a dû lancer sur le bazooka. Non, pour en que... fait, il a rien lancé, pardon, autant pour moi, j'ai rêvé. On a découvert les tactiques mobiles aussi. Bref, je suis à 3 de malheur. Par contre, je vais lui envoyer, t'as raison, sur machin truc. Par contre, il sait se défendre, le bougre. La Villa Nova de Gaia, tu peux y envoyer sans problème. Attends, moi, j'ai pas encore le tour qui est passé. Bah bref, on a dépassé le temps là, allez hop, on se laisse là. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Puis on vous dit à la prochaine, allez salut à tous. Donc oui, merci à tous d'avoir suivi ce magnifique 22e épisode. Les missiles nucléaires de Villa Nova de Gaia ont tous disparu. Ils doivent tous être sur un bateau qui est au-dessus ou pas loin, quoi, en bref. N'hésitez pas en effet donc à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et ben pour nous, on se retrouve très très vite pour de prochains épisodes. Allez, je vous embrasse tous très langoureusement. Surtout vous, mesdames, bien entendu. Hein, voilà, ça c'est pour moi. N'oubliez pas d'aller voir également donc, ma chaîne, bien entendu, avec l'épisode 20, une petite interlude, et l'épisode 21, tant qu'à faire. Hein, voilà, il sera toujours de meilleure qualité chez moi que chez l'Antouplé. Bon, je profite que j'ai la parole pour embêter l'Antouplé, pour le troller à mort une petite dernière fois. Et je vous dis ciao les gens. Yeah. Oh yeah.